Monsieur Dédé, spécialiste des fromages. Ouais. Et autres. Savez-vous qu'en Haute-Savoie, il y a 8 fromages. Ouais. 5 AOP et 3 IGP. D'accord. Alors, allons-y, Haute-Savoie. Allez, fromage. Oh, je sais rien. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Il doit y avoir du Beaufort, des trucs Beaufort comme ça. Beaufort AOP. Ouais, du Allez. Beaufort. Il y a de l'abondance aussi. AOP. Qui va avec. Oh, l'autre qui triche là-bas. Ah, le truc crémeux là. Du côté du Grand Borland. Oui. Le Reblochon. Voilà, AOP. Et c'est bien. Il t'en manque encore. Il te manque le Chevrotin. C'est quoi ce truc-là, le chevrotin? Tu l'as pas goûté, celui-là. Non, je l'ai pas... La tombe des Bauches qui est de la OP. La tombe des Bauches, très très bien, ça. Attention, IGP tombe de Savoie. Ouais. Et IGP émental de Savoie. Oui, pas confondre avec l'émental, il y a le H et pas le H, en fonction de la Suisse ou pas la Suisse. Et IGP raclette de Savoie. Bref... Voilà, raclette de Savoie, c'est quoi ce truc-là? C'est un machin qui chauffe. C'est IGP, voilà. Non, mais c'était pour faire une petite révision, parce que la fruitière est juste en face. Beaufort Reblochon. J'espère que la... Abondance. Et abondance, je crois qu'on est sur le solide. Le reste... J'aime bien. Ça, mais on laisse. Bon, le fond de glacière, ça reste quand même le Beaufort. D'ailleurs, la glacière est vide. Elle va se remplir. Elle va se remplir. J'ai des adresses, puis là, tu viens de m'en donner une. Donc, je pense que je vais, comme j'ai 30 km d'avance, je vais terminer encore avec la garde sur les talons.